chers amis reclus, chers enfants cloîtrés, chers voisins emmurés, chers frères, chères sœurs, confinés, des bienfaiteurs me sont allés mander afin que je vous contasse quelque histoire, quelque légende extraordinaire piochée dans ma mémoire défaillante. Je vous espère bien calés dans vos fauteuils, dans vos sofas. Je vous prie de bien vouloir fermer les yeux et d'ouvrir grandes vos oreilles afin que je vous conte ma merveilleuse histoire. Je commence. Il était une fois et... Il était une fois quoi ? Je vous prie de m'excuser, je raboute, je recommence. Il était une fois dans un royaume, oui c'est ça, le royaume de... Oh, je suis confus. Il était une fois dans un royaume, le grand royaume de... Oui, le royaume de... Oh, il était une fois dans un royaume, le royaume de... Le royaume de... Oh zut, il était une fois. Et il était une fois dans un royaume... Je crois que mon imagination me joue des tours et elle est confinée, elle aussi, elle est vide, 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 vide comme le désert derrière moi. Le désert qui seul charrie le sable et le vent. Je rêve ou j'entends de la musique? Mais non, je ne rêve pas. C'est la musique de mon ami Ménestrel, le troubadour. C'est bien ça? Oui. De la musique, oh merci, vent du désert, c'est la musique de notre ami troubadour. Et car je ne raconte jamais d'histoire sans les airs de mon ami le musicien. Oh, musicien, ménestrel, troubadour, où es-tu? M'entends-tu? Oh là, le barde! Oh! Qui va là? Qui est là? Oh, de la dunette! L'ami conteur! Quel bon vent à mettre dans ma maison! Mon ami troubadour, voilà que j'ai un grave problème. Mon inspiration est confinée et aussi, je n'arrive pas à dire mon histoire. Alors, certes, je me souviens bien des personnages, mais je ne me souviens pas de leurs aventures. Alors, j'ai pensé que peut-être... Eh bien, malheureux! Moi aussi, je suis confiné. Cependant, mes instruments n'ont pas fini de sonner. Et voici l'aide que je peux te porter. Oui, c'est ça. Je peux commencer. Il était une fois dans un royaume lointain, un roi. Un roi. Oh, il ne nous entend pas. Troubadour, vas-y, envoie la musique royale. Justice et grand cœur, foi de roi, j'en réponds sur l'honneur. Croix vaillant, croix sans peur, de tous, je suis le protecteur. Sire, sire, reprenez-vous. Enfin, que vous arrive-t-il? Nous sommes en public. Je suis triste, c'est un triste sire, et c'en est triste à dire. Tout est triste autour de moi, mon royaume, mon château, mes sujets, tristes, à pleurer. Allons, 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 faites-nous un roi d'envergure, comme il se doit. Nous ferons alors entrer la reine. Vous n'allez pas vous présenter dans cet état devant elle. Allez, musique! Garde, approchez, assis, à genoux. Couchez, pas bouger, pas respirer, pas respirer. Je suis le César, le chef, l'autocrate, le dynaste. Je suis le grand mogol, le khan, le kaiser. Je suis le tyran, le sultan, l'empereur, son altesse sérénissime, le souverain, le chef. C'est moi, le roi. Eh ? Oh oui, je m'ennuie. Tiens, qu'on lève une armée. Nous allons partir à la conquête du monde. Comment? Quoi? Les coffres sont vides. Il n'y a plus d'or dedans. Oh, oh, que cela ne tienne. On lève un impôt. Un impôt sur les gants, sur les masques,
sur les désinfectants, sur les gels en tout genre. Allez, payez, payez, payez. Et mes coffres sont pleins. Mon armée est puissante et rutilante. Nous partons à la conquête du monde. À l'attaque! Bon, bah alors, trois rois, alors. Le roi protecteur, le roi dépressif et le roi tyrannique. Oui, mais lequel choisir? Et la reine? Troubadour, la reine! Oh, ma reine. Que traduit, Caro? Cœur. Je suis la reine de cœur, justice et grand cœur. Ma mère est la terre et je suis l'héritière qui transmet, fertilise, enrichit. Certes, notre absence à la vie abandonne l'espace aux monstres et vermines, mais je suis dame de cœur et les couleurs exilées reviendront au pays pour danser et chanter, la joie d'être conscient, la joie d'être libre, ensemble. Arrête ! Quel plaisir de vous voir apparaître. La table est-elle dressée ? Sanglier ou fricassé pour le dîner ? Pique, pique et pique ! Je suis la dame de pique, ras-le-bol du roi fainéant, ras-le-bol de mon benêt de fils le prince. Ras-le-bol de sa douce princesse Chochotte, cette famille royale qui ne sait accomplir aucune tâche. Jusqu'à l'heure, je me suis toujours efforcée de veiller au bonheur et au confort de toute la famille royale. Le château, la bouffe, les loisirs, le personnel, les lessives et les poubelles. Ras-le-bol, la reine bobonne, c'est fini. Ils l'auront voulu. Je passe à l'action. Je suis prête à n'importe quelle alliance. Et les monstres, oui, tous les monstres seront tous demain à mes ordres. Les nains méchants, les démons en tout genre, les sorcières velues, les ogres en furie. Moi je suis vilain, vilain, oui, très très vilain. Je suis grincheux, je suis ronchon, je suis bourrant, je râle, je rouspète, je t'embête et je pète. Ah, je suis vilain. Les araignées, les serpents, les scolopendres, et les virus. Nous, on ne sort jamais. Ou alors, lorsque je sens cette merveilleuse odeur, vous ne devinez pas? Vous ne devinez pas? Ce qui fait lever des armées? Ce qui fait s'entretuer les hommes? Vous ne devinez pas? Ah, mais c'est l'or! L'or! Ah, oh l'or! Je suis prêt à jaillir hors de mon trou, à bondir et à défier le soleil même! Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Petit? Vous trouvez que je suis petit, moi? Peut-être! Mais je suis bien plus puissant que le soleil! Bien plus fort que l'ouragan et la tempête! Ah! Je suis vilain, vilain, bien! Je suis vilain! Par les toiles de mon menton et les clés de mon chaudron, il me manque un hanneton dans le jus de mon bouillon. Un poil gris de chauve-souris, trois pattes nues d'araignée de lit, de la bave de crapaud, une écaille de dragon et un petit bout de voile de mariée. Par les poils de mon menton et le cul de mon chaudron, il me faut des tannetons dans mon petit bouillon. Qu'entends-je? Qu'est-ce donc ceci? Se moquerait-on? Et de qui? Se gosserait-on de la terrible sorcière? Je vois. Sachez qu'on ne me défie pas sans risque. Je puis des sortilèges et des enchantements à faire trembler petits et grands.
car je peux le pire. J'aime le saut et le malheur. J'ai faim. J'ai très très faim. J'aime bien les moutons. Mais je préfère les enfants. Ils sont mignons, avec des oignons. Les petites filles dans mes spaghettis. Les petits garçons avec des cornichons. Leurs petits pieds au petit déjeuner. Une douzaine au déjeuner. Une classe de CP pour le dîner. Des chérubins pour le goûter. À l'apéro, des gros bébés. Mon plat préféré, c'est les héritiers. La fille du roi, je vais la becter, miam miam. J'ai une faim d'ogre. Si je mange pas, on est sur ma bastard. Non, l'histoire sera terrible. Il y a bien trop de monstres. Oh, comment notre princesse va-t-elle s'en sortir avec autant de méchants? Ça sent la chair fraîche. Qu'entends-je? Que vois-je? J'en salive déjà. Ah, la princesse, je crois que je suis amoureux. On dirait une biche. Oh. Douce et belle, je suis joyeuse, mais bien malheureuse souvent. J'attends. Mon rire illumine les sombres recoins, où parfois j'attends. Qu'est-ce qu'elle est belle et douce. Et joyeuse, ou malheureuse. Mais elle attend quoi? Je sais pas, mais elle sent bon. C'est vrai, elle est belle, c'est tout. Jeune et belle comme moi à l'époque. Belle elle est, y a qu'à dire. Rien de plus à en tirer. Rien à tirer de moi. Je me suis pourtant ainsi présentée pour vous plaire, ainsi que me l'avait enseigné mon père. Ah, mais qui vois-je? Un jeune et vaillant prince ici. Bonjour, demoiselle. N'y aurait-il pas dans votre beau pays quelques points d'eau au-dessus duquel je pourrais me mirer? Un lac, un ruisseau, une flaque. J'adore admirer mon image, mon visage, mon corps si bien mis. Cela stimule en moi la soif d'aventure héroïque, mon envie de prouver à tout le monde ma bravoure chevaleresque. Alors, vraiment, pas d'eau. Comme c'est dommage. Non, tant pis. Je m'ennuie un peu dans votre pays. Prince, je m'en vais rompre votre ennui et vous présenter les monstres et créatures qui menacent notre royaume. Ça va pas? Tu te débrouilles et ne t'approches pas trop. Tu risques de troubler l'eau de mon étang et mon reflet risque de s'évanouir. Oh, Muf! Kouja! Tu as peur, c'est tout. Skeleta, je n'ai peur. Je n'ai peur de rien, enfin presque. Je dois bien l'avouer que j'ai peur, mais c'est une toute petite chose, hein. c'est vraiment pas grand-chose. J'ai un peu peur des araignées, elles me dégoûtent, elles me répugnent. Bon prince, méfie-toi, regarde derrière toi. Ah, au secours! Il faut que j'y aille, il faut que je parte, j'ai rendez-vous, j'ai une cause à sauver, des gens à défendre, je reviendrai au secours! Que voulez-vous que je fasse de ce prince? C'est de lui qu'il n'y a rien à tirer. Vos propos m'ont offensé et je m'en vais vous démontrer votre erreur. Ne serais-je bonne qu'à décorer? Regardez-moi caracoler. Vous ai-je parlé de mon talent d'écuyère? Aucun obstacle ne me rebute et ma monture jamais ne se dérobe dans la lutte. Mon maître d'armes pour en témoigner, je suis redoutable à l'épée. Qu'on aille guérir mon maître de philosophie, il vous dira quel esprit brillant m'habite et dire mes engagements contre toutes les injustices. Ce que je cherche, c'est peut-être un prince. Ou bien le moment de naître à une nouvelle vie. Je saurai mettre en pratique tout ce que l'on m'a appris et découvrir tout ce que l'on m'a caché et qu'encore j'ignore. La princesse a raison. Elle vaut mieux que ce vaurien de prince de pacotille. Tous les princes ne sont pas obligés de respirer l'orgueil et le machisme comme vous. Peut-être même qu'ils n'aiment pas les princesses et c'est là son bon droit. Peut-être préfèrent-elles les hommes de petite taille. Et alors, peut-être,
Mais en tout cas, pas ce prince-là. Et vous avez raison. Dans le temps, nous avions un prince, mais le problème, c'est qu'on l'a congédié, voilà des années. Il doit être bien vieux maintenant. Peu importe, il fera l'affaire, je l'appelle. Prince ! Prince ! Oh ! Oh ! Vieux compagnon conteur ! Ah ! Te revoici donc ! Enfin, me revoilà. Ah, vous avez donc changé d'avis. Les princes comme moi, on n'en fait plus, hein. Ces temps-ci, vous savez, je déprime un peu. Si seulement je pouvais trouver ici ou ailleurs une belle, une douce, un amour, une princesse, quoi. Ah, son doux regard, ses yeux de braise me traverseraient sans doute le cœur. Et pour elle, j'affronterais les pires adversaires, je passerais les plus terribles épreuves. Par exemple, un traître se présente à elle. Il en veut à sa vie, à sa fortune, ou pire encore. Moi, je ne suis pas là, a dit lieu. Eh bien, dès que la princesse appelle au secours, je bondis sur mon fidèle destrier. Et en moins de temps qu'il en faut au vilain pour cligner des paupières, je lui perce sa bedaine et lui taille les oreilles en pointe. Facile! Moi aussi, je peux le faire. Ah, et que dis-tu de ça? Une princesse imprudente, inconsciente, mais jolie comme un cœur, se promène vers l'antre d'un dragon. Moi, je l'observe, je la protège de loin. Tout à coup, le dragon veut la dévorer. Il avance vers elle, tout écumant de bave, tout gros de or, tout dégoulinant des feux de l'enfer. Moi, je bondis dans son dos et lui crève un œil. Il me jette par terre, mais je me relève prestement. Et là, tout d'un coup, une estoque. Je pique et je pointe, j'esquive ses feux et je lui porte le coup fatal. L'animal est terrassé, la bête est vaincue. Je monte debout sur son dos, aux pieds de ma princesse. Ah, mais que vois-je ? Oh là ! Oh là ! La bergère, paysanne. Ouh, haha, joli corsage. Et Giron, toutefois. C'est qui celle-là? C'est peut-être elle qui te le prendra. Miroir, oh mon miroir, méfie-toi. Miam, miam. Retourne à la foire, vendre tes volailles. Mais vous vous trompez, l'escalier de service n'est pas par là. Il est de l'autre côté. Sire, c'est votre sujette. Votre grâce, par votre bienséance, accordez-lui audience. Ah! Honneur et grandeur d'âme dans la famille royale! Que nenni, foutaise! Pendant que nous autres, on trime, les v'là qui s'enflamment! Pendant que c'est nous qu'on les nourrit, qu'on les pense et qu'on les soigne! Qu'on leur prépare le lit, la soupe, oui madame! Ça pleurniche que ça s'ennuie dans son château! Oh que c'est long la quarantaine pour les aristos! Mais plutôt dans mon taudis, dans ma chaumière! On se tient chaud avec les gnoches et les vaches laitières. Mais enfin, ma bonne dame, ce n'est ni le lieu ni la place pour vos plaintes et doléances. Nous sommes en public, ma chère dame. Nous cherchons nos personnages pour notre histoire. Eh bien, ma foi, à bas les privilèges. Moi aussi, je veux jouer. Et attendez, en plus de mon propre rôle, je connais tous les animaux de la ferme et ainsi que tous les animaux de la forêt. Vous ne me croyez pas ? Regardez. J'aimerais bien voir ça. Roi de la nuit, je suis le loup. Mes yeux brillent, mes crocs sont acérés. On se méfie de moi, cruel et méchant. Mais je veux aussi être un fidèle ami, un doux compagnon. Câlin, aux griffes affûtées, de fourrure soyeuse, je me suis affublée pour te tromper et mieux te déchiqueter. Mais pour te charmer, je peux aussi ronronner. Je suis la petite grand-mère. Qui va, qui vient? De l'humide au grand air. Qui connaît tout de l'obscur au grand clair.
Alors, monsieur le compteur, je peux jouer? Oui, enfin non. Oui, d'accord, mais je ne sais pas, moi, je ne sais plus, tous les personnages, là, tout se mêle, tout se confond, là, je n'en puis plus, je sèche. Quoi? J'ai perdu la mémoire. Oh, bah alors... Hé, compteur, on va pas rester comme ça, à rien faire. Faut bien qu'on bosse, nous. J'ai une bouche à nourrir, moi. Moi, rien faire, cela me convient assez. Toi, tais-toi, tu m'énerves. Oh mince, quoi. On commençait juste à s'amuser. Allez, compteur, quoi. Une petite histoire, une toute petite! Faites quelque chose! Mes sujets vont se révolter. C'est la jacquerie, assurée! Et c'est encore moi qui vais payer les pots cassés! Du calme! Nous allons trouver des solutions! Non! Vous n'avez qu'à me mettre au chômage partiel! Non, je ne plaisante pas, vous m'avez bien entendu, je vais télétravailler. Et je vais demander à notre public de m'aider à écrire une belle histoire, pleine d'aventures, de trahisons, de magie, d'amour et de danger. Je récapitule. Pour dire ma belle histoire, nous disposons d'une liste de personnages. Il vous suffit de choisir celui qui convient à votre récit. Malgré le confinement, malgré le beau soleil qui brille à l'extérieur, vous imaginez, puis écrivez une magnifique histoire et que vous nous la télétransmettez. Alors là, voix de conteur confiné, je vous le promets, nous vous jouerons l'histoire dont vous serez les auteurs au chapiteau de La Fontaine aux Images. Vous savez, sur scène, en chair et en os. Quand ? Lorsque nous retrouverons notre belle liberté chérie. Lorsque nous serons déconfinés et que le chapiteau pourra de nouveau accueillir son public. À vos plumes.